72 heures, les réacteurs d'un dépôt de carburant à Saroturien se sont désactivés. L'analyse de la station montre qu'elle est déserte. Et les troupes stationnées là-bas? Aucune idée. Mais pas de carburant égale pas de flotte dans ce secteur. L'ennemi agira à sa guise. Je veux que vous alliez là-bas pour enquêter et relancer les réacteurs. Le capitaine Riley est sur place en reconnaissance. Elle mène une équipe constituée de nos meilleurs ingénieurs. On va résoudre ce mystère, amiral. Bien. Enquête terminée. Commandant, Caporal Nirek au rapport. Le capitaine Riley est devant, elle vous attend. L'uniforme, caporal. J'ai fait 3 campagnes. C'est allé de pire en pire, mais le capitaine nous sort toujours de là. La description d'un traitement pour les brûlures chimiques, c'est plutôt détaillé. Bonne chance, capitaine. Quelque chose d'horrible s'est produit ici. Je pressens une embuscade. Restez attentifs. De ventilation. Ça devrait faire l'affaire. Les radiations faiblissent. Le terminal est accessible. Déverrouillons ces barres de combustible. Barre de combustible déverrouillée. Un instant. Commandant, capitaine, je capte des mouvements dans
position défensive. Ennemi en approche. On les attend. Thank you.
Je le fais. Commandant, vous nous avez sauvé la peau. Mon escouade vous est redevable. C'est du bon travail. Retournez aux navettes. Du bon boulot, Shepard. Sans ce dépôt, ce théâtre d'opération serait compromis. Quelles sont les chances que les moissonneurs reviennent ? J'assigne une unité pour faire tourner le complexe et le défendre. Si l'ennemi revient, on sera prêt à le recevoir. Je lis le rapport du capitaine Riley. Sans vous, elle et son groupe ne s'en seraient pas tirés. Y a pas de quoi. Je vous tiens au courant de l'évolution. Enquête terminée. Liara, vous avez d'autres infos sur cet artefact ? Les coordonnées fournies par le conseiller correspondent au temple d'Atamé. J'y suis allée avec ma mère. Il a plusieurs milliers d'années. Et pour une raison mystérieuse, il reçoit aussi un financement du gouvernement. On dirait qu'on est sur la bonne voie. Et si on arrivait trop tard ? Mon peuple est en train de mourir. Votre empathie vous perdra. Tâchez d'être plus insensible. Enezia vous a emmené dans ce temple ? Quand j'étais enfant, je croyais que c'était juste une leçon d'histoire. Mais maintenant... Et si c'était plus que ça ? Comment ça ? J'ai fouillé dans ces vieux dossiers. Elle gardait des archives cryptées de ce lieu, dont certaines avaient plusieurs siècles. Je n'ai pas pu en décoder beaucoup. Quoi qu'il s'y passe, c'est bien caché. J'ai regardé vos anciens rapports de mission. Votre mère était endoctrinée. Oui. Nous avons dû la tuer. Et vous avez continué de vous battre. Mais d'autres pertes sont à venir. Alors armez-vous de courage. On ne peut pas ignorer que des gens meurent. Les moissonneurs sont sans pitié, mais pas nous. C'est leur indifférence qui les rend si forts. Alors montrons-leur qu'il y a d'autres possibilités. Ce n'est pas possible. Ma ville. Vous n'avez pas le temps de pleurer. Nous sommes exposés ici. Vous devez être le commandant Shepard. Commandant, on sait. La barrière a été percée. Commandant, on parlera plus tard. Grimpez sur ce panneau là-haut et faites un carnage. Dites-les sur le pont. Thank you.
moi voler cet aéronef. Bouchez ce trou. On s'en charge. Que quelqu'un me dise où sont nos snipers. Oui, chef. Commandant, je suis le lieutenant Kurin. On nous a dit de vous attendre. Mes ordres sont de défendre cette zone coûte que coûte. Consolidez la barrière. Mais notre périmètre s'effondre. Je refuse de laisser mes soldats ici. C'est important. On a besoin de vous. À moins que vous ne me donniez une bonne raison de rester, on ne mourra pas pour un champ de débris. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur moi, au juste? Votre nom, c'est tout. Les détails de la mission étaient confidentiels. Nous allons donc mourir sans savoir pourquoi. Je sais ce que c'est, mais faites confiance à votre hiérarchie. Nous ne sommes même pas sûrs qu'elle existe encore. Alors que faisons-nous là? Nous recherchons une relique cachée dans le temple. C'est important. Sérieusement? Tout ça pour ça? Un de nos avant-postes a essayé de joindre les scientifiques là-bas, mais sans succès. Bougez-moi cet aéronef! Désolé, commandant. Votre relique a tenu jusqu'à maintenant. Elle peut bien attendre encore un peu. On a perdu assez de monde aujourd'hui. Je donne l'ordre de la retraite. Non! Ferrani Kurin, vous avez voulu devenir soldat dès que vous avez posé les yeux sur le Destiny Assumption. Mais la guerre vous a épuisé, vous êtes démoralisé par la défaite, et vous doutez d'avoir la force de poursuivre le combat. Par la déesse, vous êtes... Vengez votre volonté, ainsi vous pourrez vaincre. Nous assemblons une arme protéenne surpuissante, c'est la victoire assurée. J'y crois. Ici le lieutenant Kurin, maintenez la position. Je veux un chemin tout tracé jusqu'au temple. Avant-poste de Tikis, vous avez de la compagnie en approche. Toute la galaxie va savoir que cette guerre a été gagnée sur Tessia. Donnez tout. J'étais venu il y a des années. Voir la ville brûler ainsi. Nous la reconstruirons. Préoccupez-vous des 20 prochains mètres. Attention! Il faut que ça cesse! Puisez de la force dans votre colère! Ça vous tiendra en vie! Souvenez-vous-en, parce qu'ils arrivent! Ils arrivent en 4-11! Mettez-vous à couvert! Repoussez-les! C'est le dernier. Alors bougez, dégagez du pont! Sur ce bâtiment, on a laissé la nuit. Dispersion et à couvert! Surveillez le périmètre. Ça ne cessera donc pas. Il en vient d'autres.
devant et notre ticket de sortie. C'est quoi ça? Une autre monstruosité! Voyons voir la couleur de son sang. Ça, c'est un combat! D'accord. On y va avant que d'autres nous tombent dessus. Il y a une rampe ici, Shepard. Ça pourrait être une issue. Cette chose avait l'allure d'une de mes sœurs. L'ennemi n'a qu'un seul but, nous engloutir. Les alliés deviennent des ennemis, votre famille aussi. Si vous n'êtes pas prête à tuer votre propre sang, vous perdrez. Au-dessus! Nous avions cessé de croire aux démons. Nous avons changé d'avis lorsque les moissonneurs sont arrivés. Ce sont des Asari. On doit pouvoir les rejoindre. Le moissonneur s'écarte. Un de moi à liquider. Alors servez-vous en équipement et allons écrire l'histoire. L'avant-poste de Tiki n'est pas très loin. Je peux vous couvrir. Allez! C'est le dernier! Dépêchez-vous, commandant! Vers le moissonneur! C'est une voie de sortie! Vous avez des notions de fuite intéressantes! Pas le choix! Le cauchemar ne s'arrête jamais. Pas tout seul. Si nous attrapons cet artefact, nous pourrons nous réveiller. 50 000 ans plus tard. Attention! On cherche l'avant-poste de Tikis. Il est droit devant vous! Et le reste de votre unité? Tous morts! On a essayé de retrouver les scientifiques, mais... il ne reste plus que moi! Et si on appelait des renforts? Nous avions bien des aéronefs, mais ce moissonneur a corsé les choses. C'est trop risqué! On a besoin d'eux. Il faut qu'on entre dans ce temps. Les pertes sont inévitables. Dans ce cas, c'est la seule chose que je peux vous promettre. Des pertes. Volée de serre!
urgent de renfort aérien. Je suis avec le commandant Shepard. Bien reçu, ici Serre 1. Je suis en chemin. Serre 5 en approche. Cible au sol confirmée. Les armes chauffent. Allumez-les. Serre 1, gare en brouillage. Cible acquise. Je suis touchée. Le stabilisateur a sauté. Allez-y, commandant! Je vous couvre d'ici! Commandant Shepard, je vous couvre. Faire rentrer dans ce temple. L'Alliance fournira peut-être un appui aérien. Bougez ! C'est le moment ! Reviennent à la charge. On dirait que la voie est libre. Allons-y. Le temple semble avoir été barricadé. Laissez-moi regarder. C'est un chiffrement de type militaire. Je devrais pouvoir le décoder. L'armée et la religion vont toujours de pair chez les Asari. Non, c'est très étrange. Surtout que la doctrine d'Atame n'a plus beaucoup d'adeptes.
Y a quelqu'un ? Curieux. Vos scientifiques devraient être là. Jetez un coup d'œil aux alentours. Ce qu'on cherche est peut-être l'un de ces artefacts. Ça n'a pas l'air utile. C'est Janiri, le serviteur d'Atame qui a apporté la connaissance sur Tessia. Et vous ne voyez pas la ressemblance ? J'imagine que ce sont les scientifiques. Ça pourrait être l'artefact ? Je ne pense pas. C'est une sculpture de Lucen, l'un des serviteurs d'Atame, qui dispensait son savoir auprès de mes ancêtres. Une page tirée de l'un de nos textes sacrés les plus anciens, le Codex d'Atame. Sans grand intérêt, elle raconte que le serviteur d'Atame nous a accordé des pouvoirs biotiques pour récompenser notre dévouement. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une représentation primitive de la déesse Atame. Elle s'adresse à ses fidèles à Sari. Je ne crois pas que ce soit l'artefact. Leur gorge. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Elles ont la gorge tranchée. Ce ne sont pas les moissonneurs. Il va falloir chercher qui est derrière ça par nous-mêmes. C'est censé être qui ? La déesse Atame elle-même. Une relique de l'ancien culte. Pourquoi Atame parle-t-elle protéen ? Que voulez-vous dire ? Il y a quelque chose ici, je le sens. Dans ce temple ? C'est vrai que son parfait état de conservation est étrange. Bien qu'Atame soit importante dans notre histoire, on croyait d'abord que nos dieux étaient séparés du monde, qu'ils veillaient sur nous. Il existe une énergie inhibée. Ah ! Il y a une balise protéenne. Vous en êtes sûr ? On n'oublie pas ce genre de choses. Mais pourquoi la cacher ? Le pouvoir, l'influence, votre peuple amasse le savoir de mon espèce pour leur propre intérêt. C'est impossible. J'ai du mal à croire que les miens puissent faire ça. Ça expliquerait pourquoi les Asari sont aussi avancés. Ce temple est là depuis des millénaires, assez pour avancer à pas de géant. Ça ne prouve rien du tout. Même quelques données suffiraient à fournir une avance à votre espèce. Ou êtes-vous vexé que votre gouvernement ne vous ait pas impliqué ? Les humains ont acquis la technologie gravitationnelle dans les ruines martiennes. Et c'est aux ruines des Inus Anon, l'espèce qui nous a précédés, que nous l'avons découverte. Un secret gardé durant des siècles. Eh bien, si c'est vrai, les Asari auraient dû partager ce savoir. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Rien n'est moins sûr, Shepard. Qui sait ce qui se passe ici ? Je sais une chose, c'est qu'on n'a pas le temps de chercher. Le peu de registres auxquels j'ai accès parle de puiser dans les flots de données protéennes, de reconstruire des matrices. Mais je ne trouve rien de tout ça. Oui. La procédure d'activation a débuté. Par la déesse ! Littéralement. Cherchez ! Il doit bien y avoir d'autres pièces. Incroyable. La balise semble vous prendre pour un protéen, Shepard. Ça doit être à cause de l'énigma que vous portez depuis Féros. Ou le protéen qui se tient à vous. Aucune connexion ici. La fin de la guerre est proche. Trouvez ce qu'il nous faut. Achevez le creuset et savourez la vengeance. À mon avis, elle est bonne. On ne dirait pas une connexion. Ce n'est pas ça. Là, une autre. Ça ne ressemble pas à une fini. Continuons à chercher. Ce n'est pas une connexion. Tout ce temple n'est qu'une façade. La meilleure cachette est parfois l'endroit le plus en vue. Elles en ont tiré des données pendant des siècles. Je ne savais pas. Espérons que ça nous prendra moins de temps. L'activation est terminée. La balise est utilisable. Dépêchons-nous. Cet endroit ne...
faire long feu. Recherche d'un marqueur chronologique. Un instant. Chronologie établie. Cycle post-protéin confirmé. C'est l'un de nos ordinateurs. Présence de moissonneurs détectée. Ce cycle galactique a atteint son point d'extinction. Fermeture des systèmes. Attendez. On veut des réponses. À quelle question? Le catalyseur. Il faut savoir ce que c'est pour terminer le creuset. La mémoire d'un des miens. Je suis Vendetta, création virtuelle supérieure de Pashek Vran, le responsable du projet que vous appelez Creuset. Il a succombé aux moissonneurs lors de la bataille de Trambier 9. Votre existence, elle aussi, touche à sa fin. Les protéins étaient tous aussi sombres. Qu'est-il arrivé au Creuset à l'époque? Pourquoi ne pas l'avoir utilisé? Nous avons été trahis. Un groupe dissident soutenait qu'il valait mieux dominer les moissonneurs que les tuer. Notre ordre de bataille a éclaté. Il s'avérait en fait que ces séparatistes avaient été endoctrinés. Je m'en étais toujours douté. Nous voilà maintenant face au même problème. Nos études du passé nous ont amenés à penser que le temps suit des cycles qui se répètent. Comme les attaques des moissonneurs. Pas seulement. Les mêmes pics d'évolution, les mêmes creux de dissolution. Les mêmes conflits surviennent dans chaque cycle, mais de façon différente. Cette répétition est trop fréquente pour être un hasard. On pensait que c'était les moissonneurs qui créaient ces cycles. Possible, mais je suis persuadé qu'ils les subissent tout autant que nous, qu'ils ne les maîtrisent pas. Alors qui les contrôle? Je l'ignore. Sa présence n'a que suggéré. La seule certitude, ce sont ses intentions. L'annihilation galactique, ce gouffre qui s'ouvre devant vous. Ce cycle n'est pas encore perdu. Je veux savoir ce qu'est le catalyseur. 1000 milliards de vies sont en jeu. Il y a toujours autant de vies en jeu. Hélas, si les moissonneurs sont déjà là, cette discussion ne changera rien. On n'a qu'à rompre le cycle. On a vos plans pour le creuset. On le construit en ce moment même. Le creuset n'a pas été conçu par les protéins. C'est le résultat de multiples cycles galactiques depuis des millions d'années. Chaque cycle y contribue, l'améliore un peu plus, mais jusque-là, personne n'a réussi à vaincre les moissonneurs avec. Alors on sera les premiers. Dites-nous ce qu'est le catalyseur. Écoutez, l'humaine. Elle est fiable. Je vois que vous êtes l'un des nôtres. Vous êtes protéin. Le dernier. Je suis le dernier espoir de venger mon espèce. J'ai connaissance de votre mission. Pensez-vous que le cycle en cours soit celui de la vengeance? Ils ont gagné le droit d'essayer. Il nous faut des informations. Très bien. Si vous avez suivi les plans du creuset, je vais me connecter à vos systèmes pour aider le catalyseur à... Présence endoctrinée détectée, activation des protocoles de sécurité. Shepard. Comment vous avez trouvé ce lieu? Dans les archives. Votre courtier de l'ombre serait passé à côté. Montrez-vous. Je ne vous raterai pas, promis. Restez dans votre sphère d'expertise, Docteur Tsoni. Grâce à vous, nous pouvons contrôler les moissonneurs. Ou les détruire. Bon sang, Shepard. Détruire les moissonneurs n'apportera rien. Si, la paix. Ils tentent juste de nous contrôler. Réfléchissez-y. Ils pourraient détruire toute vie organique s'ils le voulaient. Rien ne leur échapperait. Vous pensez vraiment que les moissonneurs peuvent nous donner ça? Que vous pouvez les y forcer? Je les connais, Shepard. Je sais comment ils pensent. Je crois que l'ennemi a commencé à déteindre sur vous. Non. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi tuer quand on peut contrôler? Autrefois, j'aurais pu vous croire, mais plus maintenant. Shepard, tout cela vous dépasse. Vous n'êtes pas en mesure de prendre les décisions à venir. Je termine le creuset, et je renvoie les moissonneurs en enfer. Je ne peux pas vous laisser faire. Leng, le
commandant a quelque chose qu'il me faut. Veuillez la soulager. Et apportez-moi ces données. Bien compris. Je suis touché! Couvrez-moi que je recharge! Commandant, l'aéronef! À couvert! Je m'en charge! Je dois recharger! Couvrez-moi! L'aéronef en position! Cerberus vous remercie chaleureusement. Ici Shepard, dites-nous où vous vous trouvez. Je répète, y a-t-il quelqu'un sur cette fréquence? On vous reçoit, dites-nous où vous vous... Le lieutenant est touché, de notre secteur se fait battre. Où en est Shepard? Est-ce qu'il a atteint le temple? Je les ai vus. Hé, un poissonneur en approche. Alors, est-ce que quelqu'un ressort? Je... Par la déesse, non! Commandant Shepard, vous êtes là? Commandant. Conseiller? La mission? On a perdu tout contact avec Tessia. Quand est-ce que le creuset sera prêt? Conseiller, j'aimerais que les nouvelles soient meilleures. On n'a aucune information. Pourquoi? Cerberus était là.
On a perdu. Et on ne sait pas comment terminer le creuset. Je ne sais que dire. Quelle était la situation sur Tessia ? De pire en pire. Les moissonneurs y sont nombreux. Je dois vous quitter. Certains plans doivent être mis en action. Il faut assurer la pérennité de notre civilisation. Je n'aurais jamais cru voir ce jour. Personne. Je suis... désolée. Les forces Asari sont en déroute. Nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Sortez-nous d'ici. Personne n'aurait pu prédire que Cerberus atteindrait Tessia avant nous. J'aurais dû y penser, faire quelque chose. Nous avons perdu Tessia et les données du catalyseur. Cerberus se moque de nous. Ça peut plus durer. Ouais, y en a marre de ces fils de pute. James a raison. Qui sait où se cache Cerberus ? Personne ? Commandant. Idea, dis-moi que tu as quelque chose. L'officier Trainor a pu traquer la navette de Kai Leng à travers le relais et calculer sa destination. Malheureusement, on perd la trace du signal dans le système Lera. Évidemment. Mais le signal est bloqué de façon volontaire. Quoi ? Le système Lera abrite le sanctuaire, qui serait un havre pour les réfugiés de guerre. Et c'est à peu près tout. Et quelque chose à cet endroit bloque activement tous les signaux en provenance de cette région. Sans l'intuition de l'officier Trainor, nous n'aurions jamais détecté cette interférence. Trainor, Idea, beau travail. Maintenant, on ne va pas laisser passer cette occasion. Je connais bien le système Lera. Le seul agent de Cerberus que j'ai jamais vu dans le secteur, c'était vous. Une piste bien maigre. Espérons que c'est la bonne. Peu importe les pistes. On est allé trop loin pour que Cerberus nous arrête maintenant. Je veux ces données protéennes et le catalyseur, et je ne veux pas d'excuses. Rampez. Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Shepard, j'ai un prix pour Tessia. On était à deux doigts d'en finir avec cette guerre, Anderson. Vous ne pensiez pas que ce serait si dur, pas vrai ? J'ai toujours su que rien ne serait facile, qu'il faudrait se battre jusqu'au bout. Mais voir Tessia tomber, sachant que c'était sous ma responsabilité... Ah, Shepard, vous savez combien de raclées je me suis prise pendant toutes ces années ? Déjà, je ne sais pas comment j'ai survécu à la guerre du premier contact. Les gens m'ont pris pour un héros. Moi, j'étais juste content d'être en vie. Ok, Kai Leng vous a battu. Et alors ? Ça pourrait nous coûter la victoire. Les gars de la Résistance, ils savent que c'est loin, très loin d'être gagné. Ils savent que nos chances de survie sont quasi nulles. On est tous là en connaissance de cause. En ce moment même, je suis assis face à des décombres. Je suis né ici, à Londres, et on dirait bien que je vais y mourir aussi. Alors autant tenter le tout pour le tout avec ces moissonneurs. Vous y arriverez, Anderson. Et quand tout ça sera terminé, vous me ferez visiter Londres. Il y aura peut-être besoin d'un coup de peinture avant. La fin n'est plus très loin. J'espère bien. Oubliez ça, Shepard. D'accord. Anderson terminé.